Bonjour, je suis le docteur Germain. Je voudrais vous parler aujourd'hui des possibilités que nous avons de faire des simulations avant rhinoplastie. La décision de faire une rhinoplastie ou pas est souvent compliquée parce qu'on a du mal à se projeter sur le résultat que l'on va obtenir. Nous avons un outil aujourd'hui pour vous aider qui consiste à faire une photo en trois dimensions du visage et de faire ensuite un véritable morphing de la rhinoplastie pour que vous ayez un aperçu le plus fidèle possible du résultat que l'on pourrait obtenir. Alors bien évidemment, cette simulation ne correspond pas à 100% à la réalité, mais elle vous donnera toujours une vision des choses la plus objective possible, en sachant que il ne faut pas demander à la rhinoplastie, à la simulation du moins, de faire le nez dont vous rêvez. Mais il faut demander à cette simulation de vous montrer le nez qui est faisable. Et si ce nez faisable vous plaît, à ce moment-là, vous pourrez vous engager dans la démarche d'une rhinoplastie.